Le relâchement des mesures barrières contre la pandémie de COVID-19 par les citoyens est visible. Par exemple, au rond-point de Bambeto, l'on aperçoit des citoyens qui vaquent librement à leur occupation sans masque. Interrogé, Sayon Oulare explique cette situation par la négligence de certains compatriotes. C'est la négligence ou bien une manière de saboter. Alors que la maladie, il n'y a pas une question de saboter. Tout ce que tu fais pour soi-même. Parce que ce n'est pas en nous. Depuis, c'est en Europe que ça a commencé. Donc, nous sommes petits dans l'affaire. Si les gens négligent, le taux va s'augmenter. Si on prend du sérieux là, on aura la solution pour vaincre, comment dirais-je, le virus. Mamadou Bill Lobari, lui, dénonce la corruption à l'intérieur du pays opérée par les agents de sécurité par rapport au lavage des mains. Par exemple, à la route de Cancan-Ségri, comme ça, on vient, il y a là où on lave les mains. Mais tu viens, on te demande 5 000. Dans 5 000, tu passes sans laver les mains. Moi, j'étais obligé de garer mon camion. Je viens, je lave ma main, je prends le batigel, je lave ma main, après je continue. Tout en invitant les citoyens au respect des mesures barrières, Mohamed Mounir Silla interpelle l'État sur ses responsabilités. Il faut continuer la sensibilisation. Il faut faire comprendre aux gens que vraiment, réellement, la maladie n'est pas partie d'abord. Elle existe toujours. Elle existe et elle est parmi nous. Donc on doit, tous les Guinéens doivent se céder. Ce n'est pas un problème politique, un problème de qui que soit. C'est un problème national. On doit se donner la main. À la date du 16 mai 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a recensé 20 nouveaux cas positifs pour environ 455 tests effectués, ce qui porte à 2830 cas positifs notifiés, dont 20 421 guéris et 152 cas de décès hospitaliers.